Malgré cet espoir, ses jours sont sans gaieté et ses nuits sans sommeil. De plus, la nuit, elle a peur, une peur qui la laisse grelottante et lui ôte la faculté de raisonner. Tout, parfois, relève la tête et grogne sourdement. Il a même aboyé furieusement l'autre nuit, en se dressant vers la fenêtre, comme s'il y avait eu quelqu'un derrière. L'idée lui vint de transporter son lit dans la chambre de ses parents. Elle l'installe à l'endroit où était le berceau, là, si près du grenier, les rats font du tapage, jouant et se poursuivant avec des petits cris. Mais de cela, elle sait qu'elle n'a rien à craindre. Pas plus que des araignées aux longues pattes qui sortent, elle ne sait d'où, attirées par la lueur de la veilleuse. Aller voir, aller et venir sur le mur, elle se sent moins seule. L'une d'elles, couleur de sable, très grosse et à pattes courtes, loge dans l'encoignure de la porte, comme pour en surveiller l'entrée. Lorsqu'au matin, Églantine ouvre cette porte, elle prend bien garde de la déranger. Son logis, de même couleur qu'elle, est fait d'un tube ouvert par en bas et pourvu d'une large fenêtre placée bien au milieu. Et directement sous cette fenêtre, ainsi qu'un jardin devant une maison, l'araignée a tendu une toile spacieuse et solide qu'elle entretient avec soin et sur laquelle elle semble cultiver des mouches. La présence d'Églantine ne la gêne guère. Si elle lui parle, elle reste immobile à sa fenêtre, faisant seulement bouger ses gros yeux qui semblent voir partout à la fois. Elle s'absente parfois pendant plusieurs jours. Au retour, elle fait montre d'une grande activité, nettoyant à fond sa toile et en réparant soigneusement les déchirures, ainsi qu'une bonne ménagère qui remet tout en ordre après un voyage. Tout aussi s'en approche. Il aboie un petit coup contre elle, comme pour rire. Elle ne se sauve pas. Elle sait bien qu'il s'amuse.